Eh bien salut à tous, c'est Kiwik, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui les gars on se trouve pour les nouveautés de la semaine sur GTA, donc on perd pas plus de temps, on va voir le véhicule sur le podium, voir les bâtiments qui sont en réduction, les véhicules en réduction, enfin comme d'habitude. Donc on a le Night Shark, sympa, un bon véhicule qui va assez rapidement, moi je le possède déjà mais je vais tenter de le gagner. Mais ouais ça fait plaisir Night Shark, très résistant en plus au roquet, donc ouais c'est plutôt pratique. Donc je vais tourner la roue en espérant le gagner, même si je le possède déjà, donc c'est pas forcément utile. Donc c'est parti. Est-ce que je vais le gagner ou pas? Et non, bah dommage. Donc ce sera du RP, bon bah je prends, c'est méga tir. Donc on perd pas de temps, on va voir directement quel véhicule nous est proposé en réduction dans Legendary. Donc pour le moment bah on a la Emerus, donc c'est pas mal. Emerus très bon véhicule qui coûte de base 2 750 000 et là qui coûte 1 500 000 de moi. Donc c'est clairement ça vaut le coup, la Emerus en plus très beau véhicule, donc clairement il vaut le coup. Donc malheureusement il y a toujours pas de véhicule en réduction dans Sunzern. Donc on va voir, donc là je vois que le Terrorbit est en réduction, donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que bah du coup c'est le Terrorbit qui est en réduction plus ses modifications, donc ça c'est plutôt nickel, ça fait plaisir et en plus on peut faire pas mal d'argent avec le Terrorbit mine de rien, donc ouais c'est pas mal. Donc on continue, donc on a le Squaddy en réduction, donc ça c'est plutôt pas mal, qui coûte de base 1 130 000 et là il coûte 800 000 quasiment, donc ouais c'est plutôt pas mal, donc très bon véhicule. Et là on peut voir qu'on a le V-Tier, mais malheureusement ça c'est que ceux qui possèdent Twitch Prime malheureusement. Donc si vous possédez Twitch Prime, vous pouvez avoir du coup le V-Tier à 794 000 au lieu de 1200, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a un autre véhicule en réduction dans Warstock? Oui, on a le Chernobog, donc qui coûte 1 400 000 plutôt au lieu de 2 400 000. Donc ouais, clairement ça vaut le coup, en plus c'est un véhicule assez fun. Et on peut voir qu'on a le barrage aussi en réduction, mais ça malheureusement c'est encore avec le Twitch Prime. Donc si vous avez Twitch Prime, vous avez le barrage en réduction qui coûte 319 000 au lieu de 1 500 000. Donc clairement ça vaut le coup. Et est-ce qu'on a un autre véhicule? Je pense que oui. On a le Bricade aussi, le Bricade qui est encore une fois uniquement avec Twitch Prime. Donc on va dire que ça compte pas trop, mais si vous possédez Twitch Prime, vous avez le Bricade qui est en réduction. Et nous avons aussi le Rhinotank qui coûte même moins d'1 million. Donc ouais ça c'est plutôt sympa, c'est très bon à savoir et ça fait plaisir. Donc on perd pas plus de temps, on va voir s'il y a des véhicules en réduction dans Elitas. Donc on peut voir qu'on a le Miljet. Donc bon c'est un avion assez simple qui coûte 1 million, donc franchement ça vaut clairement pas le coup, autant acheter des véhicules armés, donc enfin les avions armés qui sont dans Warstock. Mais bon le Miljet ouais c'est bon à savoir. Et après le Dodo bah faut pas faire attention, c'est ceux qui ont normalement transféré leur compte All Gen sur, sur PlayStation ou Xbox, donc ça faut pas faire attention. Donc on perd pas plus de temps, on va voir quels bâtiments sont en réduction cette semaine. Donc ce n'est pas les boîtes de nuit ni les salles d'arcade, donc non plus c'est pas ça. Donc c'est pas les forcément c'est pas les hangars vu qu'on les avait la semaine dernière. Et c'est les complexes, donc ouais ça fait plaisir. Donc normalement les rénovations sont en réduction aussi. Donc oui les rénovations sont en réduction, donc ça c'est bon à savoir. Et ça fait plaisir pour faire le petit braquage de fin du monde pour faire un peu plus d'argent. Donc clairement c'est très sympa. Donc cette semaine on a aussi les armes laser qui sont en réduction, donc malheureusement moi je les ai déjà achetées, donc on peut pas voir la réduction. Mais faut savoir que les armes laser, donc le destructeur de l'infini ou le désingateur infernal et le UPN atomiseur sont en réduction, et ça fait clairement plaisir, surtout le petit UPN atomiseur qui est plutôt fun. Et bon bah après le destructeur de l'infini peut valoir le coup. Bon après le désingateur ne vaut pas trop le coup, donc en vrai bon ça va que c'est en réduction, mais sinon c'est pas forcément trop utile. Donc en ce qui concerne les activités, donc malheureusement on n'a pas d'activité en triplé cette semaine. Bon c'est pas très grave, mais en tout cas on a pas mal d'activités qui sont en doublé. Donc pour commencer on a les guerres commerciales qui sont en doublé, donc c'est les guerres commerciales, c'est les actifs, enfin l'événement on va dire qui se trouve en session libre, donc ça c'est plutôt sympa. Nous avons aussi les courses polymorphes, donc ça c'est très sympa, étant donné que le mode polymorphe, personnellement je trouve ça fun, donc ça fait plaisir. On a aussi le mode de rivalité convoi explosif remix qui est en doublé, donc uniquement le remix, donc c'est bon à savoir. Et nous avons aussi l'émission de contact de Martin et de Lamar qui sont en doublé, donc Siméon, Gérald ne sont pas en doublé.
Donc bon, c'est bon à savoir et ça fait plaisir. Donc comme vous aurez pu le remarquer pendant les présentations des véhicules en réduction, donc cette semaine pour Twitch Prime, donc si vous associez votre compte social comme compte Twitch Prime, vous avez exactement la même chose que la semaine dernière, donc c'est-à-dire le sonar qui est gratuit, le barrage que je vous ai montré, le bricade aussi que je vous ai montré, et le vétir aussi que je vous ai montré, qui sont pareils, le bricade et le barrage qui sont à 80% de réduction, et le vétir qui a 35% de réduction, jusqu'à, je pense, la semaine prochaine. Donc de toute façon, je vous montrerai les véhicules en réduction la semaine prochaine. Donc voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc ouais, c'est pas mal, une petite semaine plutôt sympathique. Donc j'espère qu'ils vont nous réserver plus de choses la semaine prochaine. En tout cas, ça fait plaisir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir et ça aide énormément. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était QX, et moi je vous dis bye les gars.